Bonsoir Madame, bonsoir Mademoiselle, bonsoir Monsieur. La conférence nationale du Togo s'est ouverte ce matin à la Maison de l'Unité nationale, en présence de toute la famille politique togolaise. En 20 minutes, le Président de la République, le Général Gnassingbé Eyadema, a situé l'événement dans son contexte socio-économique de l'heure. Mes chers compatriotes, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs. À tous les compatriotes venus des différentes préfectures et de l'étranger pour prendre part aux travaux de la Conférence nationale, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre capitale. Nous voici réunis dans le cadre de la Conférence nationale, à la fois pour échanger nos idées sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays, proposer les institutions nouvelles devant désormais régir la nation et arrêter d'un commun accord le calendrier pour les prochaines élections. Par le passé, sous l'égide du RPT, étaient régulièrement organisées des concertations élargies au cadre et des pré-congrès qui avaient permis de débattre des problèmes de notre pays, de faire notre autocritique et de corriger l'action que le gouvernement a engagée pour le développement et le progrès de notre nation. Pendant plus de 21 ans, le RPT était donc le seul cadre où se décidaient les grandes options politiques et socio-économiques du pays. La Conférence nationale de ce jour, où les représentants de toutes les forces vives et de toutes les sensibilités politiques de notre pays peuvent exprimer leurs idées et leurs vues, est la manifestation la plus tangible de notre ferme volonté d'ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre nation afin de préparer aux générations présentes et futures la société plus libre, plus démocratique et plus prospère à laquelle aspirent si ardemment nos populations. La tenue de ces assises, après l'adoption de la charte des partis qui a mis fin au monopartisme, traduit notre détermination à poursuivre l'ouverture politique que nous avons amorcé à hâter le processus de démocratisation et à opérer une transition pacifique. Notre souhait à tous n'est-il pas de faire de cette concertation nationale un véritable ferment pour la nécessaire réflexion devant permettre à notre nation de mieux affronter les grands défis de notre temps, la sagesse de notre peuple, son expérience politique, son amour pour la paix et notre volonté commune de garantir à notre pays le progrès dans l'unité et la concorde. Nous invite tous à éviter
au cours de ces assises, les écarts et les débordements qui pourraient transformer cette rencontre en joute d'oratoire, en confrontation stérile, en étalement de rancœur et en règlement de compte. Mesdames et messieurs, le Togo, sur son parcours historique, a emprunté une voie exemplaire de la colonisation à l'indépendance et s'est engagé à prendre son destin en main, à se forger une place dans le concert des nations. Comme vous le savez, le combat pour la conquête de notre souveraineté internationale a été une lutte commune, menée dans des voies différentes, mais convergentes. Cette bataille avait requis toutes les forces vives du pays, du sud au nord, de l'est à l'ouest, et imposé d'énormes sacrifices à un nombre considérable de nos compatriotes. Quoi de plus naturel que tous les fils de la nation, à l'issue de cette victoire et à la recherche d'un mieux-être individuel et collectif, aient cherché à se donner la main, à fraterniser et à conjuguer leurs efforts en vue de la construction nationale, malgré les difficultés et les déchirements de ces premières heures de notre libération et de notre apprentissage de la vie commune, notre pays a gardé intact tous ses atouts et toutes ses chances de réussite dans la lutte pour le développement socio-économique. Je vais répéter, dont la création a répondu à une nécessité et aux aspirations profondes des populations, a accompli sa mission qui s'est soldée par les réalisations que vous connaissez tous et dont nous avons vu, en d'autres circonstances, adresser un bilan exhaustif. À la mesure des modestes ressources de notre pays, le gouvernement a fait de son mieux pour assurer aux Togolais un bien-être appréciable dont témoignent tous les experts des organismes internationaux. Il a amorcé une politique d'autosuffisance alimentaire devenue aujourd'hui une réalité. Il a mis en œuvre un programme de réalisation socio-économique, éducation de la jeunesse, hôpitaux, centres de santé, voies de communication, électrification des régions, adduction d'eau, etc., etc. Tout en poursuivant les mesures d'assainissement des finances publiques, il a opté pour la libre entreprise, la privatisation de certains secteurs publics, rompant avec le dirigisme trop centralisé de l'État. C'est précisément dans ce cadre que notre pays a été choisi pour abriter une zone franche industrielle pour l'exportation. Durant ces 24 ans, les Togolais, en toute liberté, dans l'ordre, la discipline et la paix sociale, ont adhéré à cette politique de développement et ont apporté leur pierre à la construction de la nation, permettant ainsi à notre pays d'occuper la place de choix qui est la sienne dans notre sous-région. Nos efforts communs
durant cette longue marche en avant, n'ont visé qu'à la réalisation du bonheur de tous et de chacun et à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. Mais, comme vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Les initiatives, les programmes et les réalisations, quelle que soit leur portée, sont toujours perfectibles. L'ère du renouveau démocratique dans laquelle nous sommes entrés permettra désormais aux partis de l'opposition d'animer la vie politique en apportant leurs critiques constructives à l'action du gouvernement. Cette participation active ne peut que profiter à notre pays, susciter une dynamique des forces de progrès, favoriser la transparence dans la gestion des affaires publiques et instaurer une plus grande justice sociale. Mes chers compatriotes, la roue de l'histoire tourne. Dans l'évolution des peuples et des nations, il y a des repères historiques qui marquent les acteurs du temps présent et influent sur les générations futures pour lesquelles nos étapes constituent des références chargées de symboles. La libéralisation de nos institutions avec l'instauration du multipartisme politique, la soif de liberté et de démocratie qui s'exprime à travers toutes les couches socio-professionnelles traduisent l'avènement d'une ère nouvelle qui va changer fondamentalement notre vie. Nous devons nous préparer, nous organiser, nous mobiliser pour gérer cette ouverture démocratique avec sagesse, patience, modération, tolérance et surtout dans le calme et dans la paix, car il y va de l'intérêt, de l'honneur et de la fierté de notre pays. Dans cette phase de notre démocratisation, le dialogue et la concertation doivent être les mots d'ordre pour régler les problèmes de toute nature qui peuvent se poser. Nous devons, par conséquent, nous comporter en responsables en parlant le langage de la vérité à la population, et surtout aux jeunes qui vivent dans l'angoisse, qui craignent pour leur avenir et qui se sentent abandonnés. Nous devons leur expliquer l'enjeu, tout en faisant nôtre leurs problèmes. Nous devons les rassurer, les inviter à renoncer à la violence et au désordre qui ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Bien au contraire, ces actes que notre pays n'a jamais connus auparavant ne peuvent que décourager les hommes d'affaires qui veulent investir dans le cadre de la zone franche industrielle, pénalisant par voie de conséquence la jeunesse elle-même qui place un grand espoir dans ce projet générateur d'emplois. Le moment est venu de tourner ces pages sombres qui ont malheureusement attisé la haine tribale et régionaliste, déchiré le tissu social, entraîner des pertes de vies humaines, causer des dégâts matériels importants et occasionner une désorganisation de l'économie. Je voudrais donc que cette rencontre soit l'occasion d'une véritable réconciliation nationale
entre tous les fils du Togo, qu'ils soient originaires du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, et que ces assises permettent aux uns aux autres de prendre conscience du véritable enjeu du renouveau démocratique en cette fin de siècle où le développement économique reste la clé de voûte du bonheur des peuples. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, dans ce monde qui s'éveille, un avenir radieux s'ouvre devant nous, de la manière dont nous ferons face aux défis du temps présent dépendra notre chance de transcender le climat d'inquiétude qui nous environne et notre possibilité de poser de nouveaux jalons pour la conquête du futur. À l'aube du troisième millénaire, les sociétés partout ont raison de réclamer plus de liberté, de droits de l'homme et de démocratie, tant il est vrai que sans liberté, il n'y a pas de progrès. Cependant, la liberté n'est pas une fin en soi. Elle risque même d'être aléatoire. Ça ne se traduit pas par la satisfaction des besoins fondamentaux du peuple. Nous devons, en conséquence, comprendre que la démocratie doit être une discipline de foi, une prise de conscience du devoir et des droits, afin que les grèves ou les manifestations politiques ne soient plus chez nous synonymes de violence, de destruction, de paralysie de notre économie. Dans notre monde, guidé par l'égoïsme et l'intérêt, les pays qui ont su affronter cette période de mutation politique avec quelques chances de succès sont ceux qui se sont imposés des sacrifices en donnant priorité à l'économie, à la sauvegarde du fruit de leur travail et à la préservation de leur héritage et de leur civilisation. Le souffle nouveau de liberté qui embrase le monde, qui soulève les pays africains et qui est porteur de tant d'espoir pour les nations en voie de développement, ne doit pas nous offrir seulement le droit de parler, de nous exprimer, de nous libérer verbalement, mais également le droit de vivre décemment et d'améliorer notre condition d'homme. Et c'est pourquoi, en attendant que les pays développés qui partagent avec nous la liberté et la démocratie consentent à nous transférer une part de leur technologie, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes, compter avant tout sur nos propres forces et discipliner notre volonté afin de canaliser nos énergies dans la voie du développement. Je souhaite vivement que cette conférence qui a été préparée sur des bases claires définies dans l'accord intervenu entre le gouvernement et l'opposition connaisse un plein succès. Je formule donc le vœu que les travaux de ces assises se déroulent dans la sérénité, dans le respect de la dignité de chaque participant et dans la concorde, et que chacun, par sa contribution, vise avant toute chose l'intérêt supérieur de notre chère nation. Je déclare ouvert les travaux de la conférence nationale. Vive le Togo, vive l'unité nationale. Avant le chef de l'État.